soulèvement et babenga ka soulèvement soki soda koti na kati. Police a koti na kati. Civil a koti na kati. Étudiant, élève, fonctionnaire, maman commerçante. Cheg, pasteur, évêque, militaire. Nyonso, Congo no Congolais, ou bito telemi, po il faut telemi la moto, bato yobo. Je décide avec mon gouvernement que tous les réfugiés devaient quitter le territoire de mon pays au plus tard le 31 décembre 1995 et que le président Mobutu me dit « Ce n'est pas comme ça. Prends une position contraire. » Et je reçois de la communauté internationale le secrétaire général des Nations Unies, Boutros Ghali, le sous-secrétaire d'État américain, George Moose, le directeur pour Afrique, Rouchereau de la Sabrière, pour me dire, écoutez, non, il faut suivre la voie du président, il ne faut pas vous opposer au président sur ce chapitre. Alors que toute la population du Kivu avait mobilisé ses moyens de transport pour aider les réfugiés à rentrer. La vérité, c'est que la communauté internationale ne voulait pas, alors que la même communauté internationale, par deux résolutions du Conseil de sécurité, a voté le déploiement des forces multinationales qui devaient constituer les couloirs de sécurité pour permettre aux réfugiés de rentrer dans leur pays dans la paix et la dignité. Cette même communauté internationale reviendra sans que les résolutions du Conseil de sécurité aient été démenties par d'autres résolutions qu'on ne déploierait plus parce que le Rwanda venait de bombarder les camps des réfugiés et que tous les réfugiés sont rentrés. Je me pose une question. L'armée rwandaise ne dispose pas d'une force aérienne. Ni avion, ni pilote. Avec quoi a-t-on bombardé les camps des réfugiés? Qui a bombardé? Je sais qui a bombardé. Le moment n'est pas venu. Si les réfugiés étaient rentrés dans la paix et le 23 octobre, nous ici dans le cadre du Grand Café, c'est-à-dire les députés nationaux, les parlementaires et les sénateurs, nous avons tenu à encourager le président de la République et pour nous, nous sommes totalement d'accord avec le président de la République qu'il faut requalifier la coalition parce qu'en 2023, il n'y a qu'une seule personne qui rendra compte au peuple, ce n'est pas une quelconque autorité morale qui rendra compte au peuple congolais. Ce n'est pas un parti politique qui rendra compte au peuple congolais. En 2023, c'est Félix Tshisekedi, président de la République, qui rendra compte à la nation. Donc nous avons tenu à le féliciter pour ses consultations et à l'encourager. Nous soutenons fermement l'initiative du président de la République, qui est du reste conforme à la Constitution de la République, parce que l'article 69 est clair. Il est le garant de la nation, il représente la nation et lui seul représente la nation. Est-ce que cette reconfiguration dont vous parlez passe par la fin de la coalition? Le président est en train de voir, ce n'est pas exclu. Quand on parle de la requalification, c'est-à-dire si une coalition n'a pas tenu ses promesses, le président de la République, lui, est en mesure de la requalifier. Écoutez, entendez-nous s'il vous plaît. Notre peuple n'a pas établi un gouvernement des partis politiques qu'on appellerait la particratie. C'est plutôt le gouvernement du peuple. Et c'est le peuple et le peuple d'abord
si ça passe par la requalification de cette majorité, moi personnellement, je ne parle pas au nom du groupe, je pense personnellement. Jean, quel est le message que vous voulez faire par rapport à la crise qui sévit dans notre pays? Vous savez, notre pays traverse une crise profonde et qu'il était important que nous, élus du Grand Kassai, nous puissions venir répondre à l'invitation nous adressée par le président de la République. Et comme vous le savez, nous sommes venus, nous sommes les élus représentants de la population. Il était de notre devoir de lui apporter, d'apporter au président de la République les desiderata de notre peuple, de l'espace Grand Kassai, notamment en ce qui concerne les infrastructures, l'économie, la sécurité et les aspects politiques. Je crois qu'il y a des mémos que nous lui avons adressés, un mémo global et les mémos sectoriels concernant province par province, donc les cinq provinces de l'espace Grand Kassai. Des consultations qui vont aboutir à l'union sacrée selon le vœu du président de la République qui a initié ces consultations. Est-ce que vous adhérez à cette union sacrée? Vous savez que nous sommes, il faut comprendre, hein, nous sommes venus ici, moi, vous connaissez ma famille politique. Et donc je suis venu, après avoir consulté ma hiérarchie politique, je suis venu dans le cadre du caucus de ma province et de l'espace Grand Kassai pour les aspects qui concernent l'union sacrée. Peut-être que mes collègues vont en parler, mais moi, vous connaissez. Mais pas justement, parlons du caucus Grand Kassai, est-ce que le caucus adhère à l'Union sacrée de la nation? Bon, je ne suis pas la plus autorisée pour dire. Vous n'avez pas de la crise qui pourrait être une solution à la Bien, moi je pense que nous devons privilégier la paix en tout état de cause, parce que sans la paix, on ne peut pas construire cette grande nation. Donc le Congo est tellement précieux que la paix est un facteur indispensable pour pouvoir le développer, pour pouvoir aller de l'avant. Venir avec le chef de l'État et nous avons amené notre modeste contribution à sa demande en ce qui concerne les consultations qui sont en cours. Le caucus du Grand Katanga, qui représente les quatre provinces, nous avons élaboré un mémo et ce mémo, nous l'avons remis au président de la République et nous avons pu brosser la situation générale de nos provinces. Cette situation se focalise principalement sur la crise politique et cette crise se fait sentir dans le vécu quotidien des populations, étant donné que l'économie ne marche plus, étant donné que les travaux qui devaient être entrepris par l'exécutif ne fonctionnent plus, et nous passons donc une crise qui est multiforme. Nous avons fait des propositions au président de la République. Et nous sommes surtout appesantis sur l'insécurité qui sévit dans nos provinces. Et nous avons également parlé de l'économie, des différences, notamment en ce qui concerne la situation calamiteuse de nos entreprises, du portefeuille, qui doit absolument être régulé. Oui, quelle peut être la solution, selon vous, à la situation de crise? Quelle peut être la solution, selon vous? Il s'agit d'une crise politique et la solution ne peut être que politique. Et nous ne pouvons que nous, en tant qu'élus, accompagner la magistrature suprême, la première institution, à pouvoir trouver une solution idoine à tous ces problèmes. Et ces problèmes concernent les quatre provinces. Ils sont le Haut-Katanga, la province du Lualaba, la province Tanganyika et la province du Haut-Lomami. Nous organisons, nous sommes constitués à caucus de sénateurs et députés nationaux de l'espace du Grand Kassai, qui représente la province du Kassai, Kassai central, Kassai oriental, Sankuru et Lomami.
dans ce cadre-là, nous avons, c'est lui qui doit faire chaque travail. Nous avons parlé dans la salle avec son Excellence Monsieur le Président, mais ici, je ne peux pas aller en contradiction avec ce que nous avons déjà dit dans la salle. Voilà un peu pourquoi on est là. C'est vrai que dans le domaine de la communication, il faut être vraiment très précis et organisé. Voilà. Vous avez dit, oui, mais c'est ce que j'ai dit. Vous voulez que je puisse dire ce que Freddy venait déjà dire. Notre porte-parole de caucus, ce Monsieur Freddy, de la province du Kassai oriental. On a moins résumé la Lingala. Hein, la Lingala, tout le monde. Nous avons émis des réflexions et il appartient à lui, à l'issue des négociations, il va pouvoir annoncer à la population, au fait, le Congolais, la solution que lui, en tant que premier magistrat, premier Congolais, qu'il va trouver comme solution pour la population. C'est bon, ça, c'est bon. Merci. Qui n'a pas ça, il y a couillé ba maille oyo ba congolais ba kanisa le ligne mokezo zo kumbe la nde to yebisi mokonzi le kola tozali pembeni ya population to yokaka o population azali koloba ndai ko mona face ya population italie te ya solo ezali na maboko mibale o ezo sungaiti ezali bomo parlement na gouvernement ezo sungai na tenge le kubani kweti ya solo. Et c'est un niveau du Parlement. Au Bandabongo, dans l'Assemblée nationale. Ndenge ezali kuma mila pona intérêt ya Congo na ba congolais bazali pe d'accord na yango ebisi yango pe mokonzi ya mboka gouvernement pe lokola yango esengeli pe elongwa batya bato mosusu oyo bazali na souci ya mboka oyo souci ya ba congolais kweti ya solo mandat ya président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo eyebana kobota mbuma oyo ba congolais baza nango bosenga na oyo likanisi ya bosali inyosake kosangisi. Il y a des gens qui sont politiques, des gens qui sont en train de se faire, 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 qui sont en train de se faire. Je vais renforcer les pouvoirs de la justice. Je vais renforcer l'état de droit pour que la justice elle-même puisse s'occuper de ses concitoyens, du présent comme du passé de notre pays. J'avais dit à Roussel qu'on ne fasse pas de moi un dictateur. Je ne suis pas venu pour régler des comptes personnels. Je suis une institution, je suis le président de tous les Congolais, bons et mauvais. Et donc, il faut laisser aux institutions le soin de régler les problèmes du Congo. Nous voulons, et je pense que nous instaurons un jour, un tribunal pénal pour les crimes commis au Congo. Et ce tribunal sera institué au Congo. Pas à la haine, pas ailleurs, mais au Congo. Et pour cela, nous avons besoin de renforcer les capacités de notre justice. Je